Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live dans son tranche réflexion. Réflexion, aujourd'hui nous sommes le 29 juillet 2024. L'actualité est tellement abondante, chers amis. Notre réflexion va porter sur la situation générale à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a des choses qui se passent à l'est de la République démocratique du Congo. Un engouement terrible pour l'adhésion à l'AFC. Les invitations sont lancées. Il y a des gens qui viennent personnellement de leur gré pour adhérer à cette alliance Fleuve Congo. Que nous disons qu'il y a Anguille sous roche. Donc, est-ce que ce mouvement rebelle... Est-ce que ce mouvement d'opposition, parce qu'elle était, quand elle a été créée, elle était un parti politique d'opposition qui s'est transformé en une plateforme pour lutter, pour chasser les gouvernements de Kinshasa, ou à la tête de ce pays, M. Félix Tshisekedi. Alors, on se pose la question, où est-ce que nous sommes en train de partir? Aujourd'hui, comme l'indique, vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passés le week-end. Vous allez bien suivre ça dans le chapitre des informations qui domine sur la toile. Donc, il y a des journaux qui émettent à partir de Kinshasa et qui ont fait de l'actualité. Mais en dehors de cette actualité-là, il y a aussi ce qui prédomine l'actualité, c'est ce concert-là qui a fait 9 morts. Est-ce que ces morts ces morts-là à Kinshasa sont-ils plus valides que les morts qu'on est en train de constater dans les camps de réfugiés, dans les camps de déplacés à l'est de la République démocratique du Congo? Chaque jour, il y a des... Nous perdons des vies là-bas. Chaque jour, il y a des choses qui passent et le mouvement AFC est en train de se solidifier. Donc, nous allons parler un peu de la politique générale. Et en fait... Pourquoi nous vous venons avec réflexion aujourd'hui? Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui me posent la question de savoir qu'est-ce que la rétrocession du pouvoir au niveau de la base? Qu'est-ce que, Germain, tu attends de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base? Est-ce que si les territoires ont le pouvoir de gérer leur terroir, va-t-il changer quelque chose? C'est là où moi je me suis en train de me dire: est-ce que les gens comprennent quand on a le pouvoir à main? Tshisekedi aujourd'hui est à la tête de ce pays. Il a tous les pouvoirs. Il peut décider que quelqu'un soit ici. Il peut décider que la guerre stoppe. Il peut décider que négociations soient faites. Il peut même aussi décider que nous arrêtons tout pour que nous puissions recommencer à zéro. C'est ça donc le pouvoir de changer les choses. Est-ce que ce pouvoir-là sont dans les mains des gens qui sont à la base, c'est-à-dire l'arrière-pays, les territoires, les secteurs, les provinces? Peuvent-ils entamer une quelconque changement dans leurs entités? C'est par là que moi je comprends pas ce que, quand je dis la rétrocession du pouvoir à la base. Qui peut rétrocéder le pouvoir? Nous allons analyser dans cette tranche d'aujourd'hui. Réflexion. Nous allons demander encore beaucoup, un peu de temps, parce que l'explication de ce sujet-là demande à ce que nous puissions être un peu plus explicites. En attendant, bien sûr, notre émission live que nous commençons le 2 août. Donc, dans une semaine, la semaine prochaine, nous allons démarrer avec les émissions directes. Et les directs, ça sera peut-être, nous aurons une tranche de samedi. Et au courant de la semaine, nous pourrons avoir des directs sur un point de vue que nous voulons vous apporter. Et donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur cette chaîne, nous vous demandons de vous abonner. Nous demandons à ce que vous puissiez aussi partager pour ceux qui sont abonnés. Et partager et laisser surtout les commentaires pour montrer que ça vous, les sujets que nous développons ici vous intéressent. Donc... Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com.
Kinshasa, les chauffeurs de taxi en grève. Libye, près d'un an après les inondations meurtrières, 12 fonctionnaires condamnés. Et Ouganda, au moins 70 ex-otages de Congolais attendent leur répatriement en RDC. On va sur actualité.cd. Programme d'action du gouvernement Judith Simonia dit attendre des ministres la même ardeur et le même engagement pour être qualifié de gouvernement de changement et de différence. Résultat examen d'État 2023-2024, le gouvernement informé de l'échéance qui court du 24 juillet au 24 août. Débit imminent des travaux de réhabilitation de toutes les toilettes, des pavillons et des centres de santé de la prison de Makala, Congo profond. Les activités non sportives annulées au stade de martyr Tata Raphaël. Drame au stade de martyr Moïse Katumbi appelle à sanctionner les responsables. RDC Serbie Tamara Vidic à la découverte des richesses culturelles de la RDC sous la houlette de son homologue Denise Nyakero. 7 sur 7, grève de conducteurs à Kinshasa, pas initiative sans l'ACO. Et puis, élection présidentielle au Venezuela, Denis Kadima invité par le Conseil national électoral. Enfin, 421 condamnés libérés à la prison centrale de Makala. Ça, c'est Constant Mutamba qui le fera. On termine par Radio Okapi. RDC SV Club a présenté ses 26 joueurs de la saison sportive 2024-2023. RDC Julien Lusenge encourage la poursuite de lutte pour le respect des droits de la femme. Enfin, Congo central, les enseignants conditionnent la rentrée scolaire 2024-2025 à la hausse de leur salaire. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, donc merci à chers téléspectateurs, chers followers, vous qui aimez cette émission. Vous êtes en train vraiment de me rendre un peu beaucoup plus populaire. Pourquoi? Parce que j'étais le week-end en dehors de Johannesburg. Nous avons passé le temps un peu à l'intérieur de l'Afrique du Sud. Pour ceux qui veulent en savoir comment était notre journée à l'intérieur du pays, vous pouvez aller vous connecter sur une autre chaîne que nous avions créée, qu'on appelle Road Sky. Sky Road South Africa, Sky Road Africa, Sky Road. Vous pouvez avoir cette, le nom de cette chaîne où nous parlons du network des routes en Afrique du Sud. Donc vous pouvez aller là-bas, abonnez-vous aussi là-bas parce que de temps en temps, nous vous donnerons sur terrain les networks des routes, comment les villes sont interconnectées ici en Afrique du Sud. Donc, veuillez aller là-bas. Le week-end, nous étions dans un voyage. Donc, nous avions circulé sur les routes. Et vous-même, vous allez en juger. Et vous allez avoir cette comparaison de savoir où est-ce que nous en sommes comparativement à notre pays. Voilà. Donc, je disais que nous allons commencer où nous commençons par ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Parlons-en de ce que l'AFC fait et comment elle est en train de se solidifier petit à petit à l'est de la République démocratique du Congo. Mes chers amis, je vous ai parlé dans l'introduction qu'il y a un certain engouement, l'adhésion massive de membres à l'AFC. Bounagana, finalement, la frontière de Bounagana fonctionne normalement. Bounagana fonctionne normalement sous la supervision de l'AFC. Batu bazako kota, bazako bima, bazako futa douane, bazako futa ma, ba droit à sortie, comme si de rien n'était. Il y a une certaine quiétude de ce côté-là. Et c'est ça qui fait que Nanga se rassure en continuant à former ce qu'ils appellent ses leaders. Il continue à faire des formations. Il n'a pas d'inquiétude. Azata n'a inquiétude mon côté. Makambo ezako sale ma côté kuna ezako kamwisa.
ezali te ke batu oyo bazali baza ko zala na menace quelconque. Il ne montre pas ces menaces là. C'est ce qui nous étonne. Ce qui vraiment bazala ki ko banga ba ko kai ko banda ko sala baba bana ni wana te ba formation o baza ko sala te. Il se promène ba kei na ba église ba ke na bazandu bazotambola na bango ba yebi kaka keno basi ba conquérir pouvoir oyo basi ba conquérir côté kuna. C'est ça qui doit nous faire réfléchir. Mais batu oyo biso toza na faire de c'est toza ko juger bango koto na Kinshasa. Mais là chez eux, toutes les choses sont à la normale. Les gens commencent à les adopter petit à petit. Na ko féliciter bango. Ils se rassurent, ils prennent des racines petit à petit. Et qu'on a la capacité pour faire de ces Elongola, ou bien le gouvernement congolais, Elongola, Batouana, Kuna. Et mais maintenant, ils gèrent même les taux de dollars de ce côté-là. Baza ko gérer makamunenge mboka ezalaka. Petit à petit, ils sont en train de former les cadres. Ils se disent que baza ko former ba cadres. Bakadre wana baza ko uta wapi. Beaucoup de gens viennent de Kinshasa. Batumusus wazo uta na Bakatanga, na Kasai, na Équateur. Ils viennent adhérer à l'AFC. Un mouvement qui était considéré comme un mouvement rebelle. Aujourd'hui, la population commence à la crédibiliser. Et je crois que c'est depuis longtemps qu'ils cherchaient ça. Et là, wana AFC ezui yango. Ce qui bomona ki guerre ya M23 et prendre beaucoup plus d'ampleur c'est parce que il manquait ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Ya ngona babanda ki kosala ngo malembe malembe. Et là moi je me dis ata toza ko finga batu ngambo baza ko utiliser mayele. Ils sont en train de réfléchir comment faire pour aboutir à leur projet. Batu mususu baza ko loba eza projet balkanisation. Petit à petit, quelque part, moi, confidemment, j'ai été informé de cette intention de balkaniser le pays. C'est-à-dire que côté Kuneza la Nangombo Kamoko. Mais en attendant, c'est comme s'ils sont en train de goûter à cette soupe-là en disant, au lieu que nous puissions prendre le Nord Kivu et l'Ituri et peut-être le Sud Kivu pour être un nouveau pays. Autant mieux annexer ce Congo là parce que bazo ça les lots comme mon côté pour nako bongisa ou bien pour nako bengana biso. Il se considère baza qu'on se consolide baza qu'on y est parce que nous anytime ceux qui tolingi kozwa goma tokui kozwa et comme on dit l'appétit vient en mangeant, c'est à dire que ils savent que mboka na biso eza unité mboka na biso eza kambamité. Tout ce qui se passe à Kinshasa, c'est de la distraction. Batwaza ko sa la distraction parce que Mboka effectivement ezana makokite ya kobenga na bango. C'est ça le problème. Tozo koma wapi siko, tozo kende wapi siko kote toloba Mboka eza divisé et kozala divisé siko grande partie toloba soki Nord Kivu est tombé, soki kote anani ya Ituri est tombé kuna ba wele na Nord wele ba est tombé. Ça sera une grande partie. Et là, je me dis que nous allons revenir na likamboya. Tangu mboka zalaka divisé avant Kabila et unifié mboka, na bambusa, na babemba, le pays était divisé en quatre morceaux. Ne place wana nga na za komona ketozo kende. Je me vois que c'est comme ça. Ce film, si nous l'avons déjà vécu, beaucoup de gens disent que non, écoutez, il n'y aura absolument rien. Kinshasa kosa lelo ko mon côté. Parce que cette armée de Kinshasa est pratiquement infiltrée et que Bazana et Loko Akosa la bisauté. Ils n'ont absolument rien à nous dire ou à faire quoi que ce soit. Voilà un peu perspective Yabiloko Oyo, Toza Koloba. Comment est-ce que Togoïko sortir na Eloko Oyo? Batouana Bakomi Kozoagou, Yakoloba. Ata Bosalinini, Batoua Boutembo na Beni, Boze la biso Tozo Koma. Imagine-toi que Boutembo et Beni tombent. Qu'est-ce qui empêchera que Ituri est tombé kuna? Isiro Ituri côté kuna. Parce que déjà, bazako contourné, on nous apprend que les éléments de l'AFC sont même dans à Aru, donc la frontière ougandaise.
Bon, les gens posent la question, pourquoi ils ne prennent pas Goma? Oh, bazoko kakozwa Goma te. Mais vous, nous ne devrons pas poser ce genre de questions. Ba question Marc, on a vraiment bato baza kotine de langai. Ba lobio baza faible parce que bazoko kakozwa Goma te. Moi, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas que les gens qui posent ce genre de questions s'entendent à ce que AFC ezwape Goma? Parce que lorsque vous dites que non, Bozana Makasite a kozwa Goma te, vous êtes en train de dire que venez encore, venez le, faites vite, venez, nous vous entendons à Goma. Oh, Bozana Makasite ba okoka kozwa Kanyabayonga te, est-ce que Kanyabayonga a wane tombe te? Et ils sont dans les Lubero maintenant. Maintenant où nous parlons, côté Moussousou, côté Amassi, c'est ça, ba place Moussousou et Kozalaka, ba kozwa Kayango na pété. Sans même Kobunda, parce que beaucoup d'adhésions. Au moment où je vous parle, les adhésions qui sont en train d'être constatées, au bateau, baza kolinga kwadere na mouvement, côté au Bunagan, au baza koko tabake ko s'enregistrer, pour na ba formation, à ba cadre, eza époustouflant, eza au-delà de l'entendement. Pourquoi? Parce qu'effectivement, petit à petit, tout le monde commence à tourner les dos à Kinshasa. Balobite, qui ne l'a pas eko sale maté. Or, à Kinshasa, on ne réfléchit pas à chercher des solutions. Mais Kinshasa, c'est comme il faut réagir. On vous dit qu'il y a une trêve. Bon, s'il saute, bon, c'est pas dit, ok, trêve en go, donc, nous devons, le peuple congolais a besoin d'être fort. Bazala na mokonzi moko oyo, a reconquérir mboka na emo, mba kopesa, lisusu Congo a réunir en go. Et ce monsieur-là, au peuple congolais, le peuple espérait beaucoup à Tshisekedi, Félix. Ils espéraient beaucoup, ils attendaient beaucoup de Félix. Mais hélas, ça n'a pas été. Et même, j'ai une petite vidéo que j'ai visionnée. Je ne sais pas si je peux le montrer ici, parce que je risque même d'être sanctionné. Où Félix a dit que non, Makambo ya loba ki tango ya campagne, il n'est pas à mesure de le faire. Quelle traîtrise, Bandeko. Donc ça, c'est un aveu d'échec. Et ça, aveu d'échec, ya koloba keno. Makambo na lobaka, na tangwana, ezalaka ya tangwana. Donc nous naviguons à vie. Sokotali makambo nenge za kosalema, nous naviguons pratiquement à vie. Tozo ye bateto salanini. Or, on ne peut pas diriger un pays na modèle wana eko yuko simbate. Tokoiko kambambo kateke soki eloko ekomi to salibwe. Soki eloko ekomi to salibwe. Donc, on va commencer à vous manipuler comme ça. C'est comme ça que ngana lobaki en répondant à ce monsieur qui me disait que non, Goma et okiko tombete. J'ai dit, eza na ba place mususu en République démocratique du Congo où le AFC est déjà là-bas, mais ba tubaza ko comprendre te. Bozo mona ba soldat mususu, on dirait ba soldat FARDC, mais ce sont les soldats, il y a AFC. Baza ba militaire à AFC, boza ko mona bango baza ko circuler, bokanisi eza ba unité à FARDC. Non. Ba place est belle, c'est comme ça qu'il se targue même à dire que non, atana Kinshasa wana tozali. Qu'est-ce qui vous dit que na Goma bazali te? Na Goma pe bazali. Ils vous disent que même au sein même du cabinet du président de la République, bah membre AFC Bazali. Comment le savoir? C'est notre service de sécurité qui devrait s'en charger. Maintenant, nous sommes là avec un gouvernement, bien sûr, qui sont en train de faire de leur mieux. Mais le problème, ce n'est pas là-bas. Ils se trouvent là où on les attend le moins. Mboka na biso ezali toza ko naviguer ka bongo toza ko lobaka ka no mokonzi na biso mokonzi ye moko ayebite soki akosala nini na moment oyo ayebite après 2 ans akosala nini. Le président de la République ne connaît en rien le problème réel du Congo. Soki ayebi problème ta kozwa solution ndenge nini. C'est à peine qu'il est en train de chercher ayeba qu'est-ce qui peut nous garantir que non lobby batubala mukamala na Congo. C'est à peine. Il ne sait pas. Tantôt ce qu'il faut, il est en train de financer les concerts pour aibike ba congolais balinga kobina na kolata.
Allons distraire ces gens-là dans les concerts musicaux. Allons distraire ces gens-là avec des choses qui les intéressent. Les Congolais ne s'intéressent pas à la gouvernance de notre pays. Ça, nous pouvons l'acclamer tout haut. J'étais dans un espace avec certains de nos politiciens, ou des gens qui ont posé la candidature, excusez-moi de taire leur nom ici. Moi, je leur ai posé la question. Vous êtes dans l'opposition républicaine. C'est parce que vous êtes en train d'accompagner le mal. C'est-à-dire que vous n'avez pas aussi une position bien définie. Vous n'êtes pas sûr de votre combat. Parce que si vous étiez sûr de votre combat dans l'opposition, vous devriez savoir comment faire. Je crois que vous aviez suivi dans le titre, lorsque on dit que Katumbi, ensemble, est en train de se battre pour avoir ce poste-là, les 10 leaders de l'opposition. Ça fait quoi quand vous êtes, je ne sais pas, une bonne vingtaine de députés? Sur les 473 députés, il y a Félix Tshisekedi dans le Parlement. Vous allez faire quelle opposition? Vous allez tout simplement accompagner la majorité qui est là. Parce que, Nandenge Otozali, opposition, effectivement, opposition est alité. Et ceux qui ont commis l'erreur d'aller aux élections avec Félix Tshisekedi, ils ont été martelés, Félix Tshisekedi Aram. Bon, d'autres personnes disent que non, Bazwa Kambongo. D'autres personnes disent que non, ils n'étaient pas intelligents. C'est comme ça que je suis en train de dire, réfléchissons tous bien et dans le bon pour la solution globale de notre pays. Parce que moi, j'ai comme l'impression, si cette opposition républicaine est là, elle ne savent pas aussi le problème de la République démocratique du Congo. C'est pour cela qu'ils vont chercher, par exemple, le pouvoir ailleurs. Bazo kende kozwa pouvoir na epaya Kagame. Bazo kende kozwa pouvoir wapi à l'étranger. Parce qu'ils ne savent pas comment est-ce qu'ils peuvent obtenir le pouvoir en interne. Baye biangote. Ces opposants-là qui se disent que non, Bazo ça la opposition les républicaines. Non, ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas effectivement ce qu'il faut faire. C'est comme ça qu'après les élections, après avoir accompagné leur allié au pouvoir, je parle ici de Félix Tshisekedi, leur discours est devenu ils se sont absentés de la plate sur la scène politique en République démocratique du Congo. C'est à peine qu'il y a des déclarations. Et ces déclarations-là, vous allez les trouver dans des choses de futilité qui ne regardent même pas la bonne marche de notre pays. Je parle ici de ce concert qui a produit 4 morts, c'est pas 9 morts. C'est à peine que Katumbi va venir donner une déclaration, Fayulu donne une déclaration. Ainsi donc, moi, ce qui se passe en République démocratique du Congo, je le regarde avec beaucoup plus de pincettes. Je n'y crois presque pas à toute cette classe des opposants. Je n'y crois pas. Nazako kwa batuanate. Parce que s'ils savaient la solution, ils ne pouvaient même pas aller aux élections. Dire que non, bakolo bakebiso ndeto boycotté ba élection, c'est de la bonne cause. C'est de la bonne cause. Moi je me suis opposé à la participation à ces élections au docteur Denis Mukwege. Les gens qui voulaient avoir mon point de vue, je leur ai dit, Denis Mukwege est en train de se faire mal. Au lieu de préserver, de rester là où il est parti mettre ses doigts dans le feu. Qu'est-ce qu'il a eu?
Pensait-il vraiment que tout simplement parce qu'il est docteur, et puis il a le prix Nobel, que tout ira de soi-même, sans faire de campagne, sans danser comme les Congolais dansaient. C'est-à-dire la corruption, c'est-à-dire qu'il faut, il faut avoir des alliés sincères. Or, ces alliés sincères-là, peut-on les retrouver en République démocratique du Congo ? Reste à poser comme question. Moi, je me suis dit, Denis Mukwege, vous vous êtes engagé à, donc dans des choses qui ne pouvaient même pas t'honorer. Et voilà les résultats. Donc l'opposition, qui est l'opposition républicaine, lui Mukwege, comme il a échoué en principe pour les élections, il pouvait directement être dans une plateforme de l'opposition s'il voulait faire la politique. Et donc vous allez un pas en avant, deux pas en reculant. Est-ce que Mukwege a reculé? Ça, c'est un point d'interrogation, et je ferme cette parenthèse là que j'avais ouvrir à propos de toute cette classe politique qui se dit de l'opposition. Il n'y a absolument rien. Cette opposition, effectivement, moi, je pense qu'elle n'existe pas. Alors, mes chers amis, répondant maintenant à votre question de savoir, est-ce que la rétrocession du pouvoir pourra résoudre ce problème-là? Moi, j'ai eu comme l'impression que Tshisekedi a perdu de tout dès le départ. Parce qu'effectivement, s'il avait compris le problème et la solution devrait venir de soi-même, comme on dit, on pouvait voir comment aller. Ici, il s'agit d'abord de take out, donc d'enlever dans que ce pays appartient à quelqu'un. Si vous êtes président de la République, vous ne pouvez pas vous vanter que ce pays vous appartient, parce que vous allez y laisser les dents. Moi, je pense, quand Tshisekedi wa Mulumba disait que prenez-vous en charge, les gens ne l'ont pas compris. Un bon leader, c'est celui qui met en position la population en avant. Nous devons savoir réorganiser cette population, la population congolaise. C'est ça la question. Si je peux résumer ça en une réponse claire en disant la rétrocession du pouvoir, ou bien le problème du Congo, c'est quoi? Le problème du Congo, c'est cette unité-là qui n'existe pas. L'unité que nous avons, elle est une unité cosmétique. Nous sommes en réel des individualistes à outrance. Qui a fait la promotion de cet individualisme? Ce sont ces dirigeants qui nous ont précédés, qui nous ont dirigés pendant 18 ans, pendant 32 ans, et pendant les 5 ans après notre indépendance. Moi, je pense que ces dirigeants-là n'étaient pas vraiment à la hauteur de la République démocratique du Congo, parce qu'ils n'avaient pas compris les problèmes. Nous ne pouvons pas gagner dans la division. Quand nous sommes dans la division, nous ne pouvons pas faire marcher un pays lorsqu'il y a des individualismes à outrance. C'est impossible. C'est comme ça que nous nous sommes dit, la solution, c'est de la rétrocession à qui des droits? Qui est ce acquis des droits? Qui a le droit de faire qui que ce soit en République démocratique du Congo? Nous allons trouver la réponse dans l'article 10. L'article 10 nous dit qui est congolais et quels sont, dans la préambule de cette constitution, nous poursuivons quoi avec ce texte? N'est-ce pas que le bien-être de toute la population congolaise? Et c'est comme cela que nous nous sommes dit. Lorsque vous responsabilisez les gens à se prendre en charge en disant ce n'est pas toujours Kinshasa qui va commencer à faire ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas toujours Kinshasa. Il y a des paliers, il y a une structure qu'il faut respecter. Et la personne qui va implémenter ce plan-là, c'est celui-là que nous appellerons un héros. Peut-être Félix Étienne Tshisekedi a réveillé en nous cette envie. Même les Lumumba aussi ont réveillé en nous cette responsabilité en disant vous êtes responsable. Mais bakoko so ebele za kokutama. Comment toko résoudre bakoko so ebele wana? Bomoko ango toko obtenir ango nengenini. Quelle est la structure qui peut arranger à ce que
le Congolais ne puisse pas vagabonder pas comme nous le voyons partout dans le monde. C'est ça le problème. Le problème, nous devons comprendre. Maintenant, nous tous à mon côté. Ba structure na biso ezo sala malamute. Ça fait 30 ans que nous n'avons même pas construit un hôpital. Nous ne faisons que dans les réhabilitations. Et donc, ce qui est réhabilitation, ezali moi, kanya kanayo pe fo ezala na kati ya ba facture aux oloba. Et le cosmétique a primé sur le réalisme en République démocratique du Congo. Mais tokolongo wana ndengenini, c'est ça la question. Notre réponse à cette question-là, c'est la comment Félix Tshisekedi aujourd'hui peut se stopper, peut dire que non, bon, moi je m'arrête un peu. Je vais voir clair, je voudrais assez que les Congolais puissent se prendre en charge. Comment est-ce que nous allons faire? C'est ça le problème que nous avions conseillé depuis 2019 à Tshisekedi. Nous avions dit quoi? Félix, proclamez un nouveau Congo. Et demander à tout Congolais d'apporter, de réfléchir sur une solution pendant le temps que nous allons faire ce deuxième mandat. Que ce deuxième mandat ici ne soit pas un mandat de dire que nous allons développer ça, nous allons faire ceci, nous allons faire ça. Toza Koko sa peuple, arrêtons. Donnons-nous vraiment un principe à ce que nous ne puissions plus continuer à mentir. Et reconstruire notre pays. La reconstruction, c'est d'abord l'éveil des consciences, la responsabilité. L'éveil des consciences et la remise des responsabilités au peuple en disant, si vous me choisissez vraiment, c'est parce que moi, j'ai un plan. J'ai ce que je dois faire pour que vous bossez là. Nazana biloko oyo, ezo sengela mboka na biso mbongwama eya pour bénéficier na batu nyonso. C'est pour cela que vous devez me voter. Vous ne devez pas me voter parce que je suis le fils de Tien Tshisekedi. Vous ne devez pas me voter parce que naza matama minene. Vous ne devrez pas me voter parce que nga naza mbinga. Non. Et c'est ça que nous avions demandé à Félix Tshisekedi, de présenter un plan. Parce que nous pensons que ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, c'est une expression de frustration générale en République démocratique du Congo. Naba rébellion, naba massacre, oeza kosale makuna, ezali biloko moko biso ba Congolais togogi aussi lisayango. Mais il fallait tozala bomoko, il fallait tozala na place oyo, na moyen nyoso tout mettre tout ça en place pour tout ceci ça ba massacre ba biloko ba gestion en boka na biso. La bonne gouvernance ne viendra pas de l'Angleterre ni la Belgique ni la Russie, non. La bonne gouvernance, ça commencera par le veil de conscience des Congolais en disant tolingi to changer makambo na ndenge tozo changer ango, voici le programme, voici le plan. C'est là où est ma peur en disant, ma peur sur les AFC et puis les M23 Babylon Kwananios. Nous ne connaissons pas les cartes qui sont dans leur poche. Tozo ye bate, pour peuple congolais a koye bate, makasi na bango bazo zwango wapi. D'ailleurs, pourquoi ça doit nous intéresser? Ça nous intéresse parce que nous connaissons l'histoire. Nous connaissons comment est-ce que nos présidents qui ont été soutenus par les mêmes personnes que vous êtes alliés avec, nous connaissons ce qu'ils ont exigé de ce gouvernement-là, ce qui se trouve sur la place publique. Est-ce que Batouana Boye Nabango, intention Nabango Ezali, que Baria Kore colonise Biso, ou bien Baya Kosali Sabiso, tous à l'ensemble, mais les foutis et Kozalanini? Veulent-ils le faire vraiment parce que nous connaissons que les États n'ont que d'intérêt? C'est ça ma peur. Et je voudrais que peut-être la semaine prochaine, lorsque nous commencerons les émissions live, nous puissions avoir ceux qui battent AFC Bazali, Kolandangai, prenez contact avec moi. Je pourrais vous appeler sur votre téléphone comme ça. Solo là,
pour nous rassurer. Parce que technique est oyo, il y a copé sabiso paix. Mais nous ne savons pas la valeur de cette paix-là. Et ça ne sera pas durable. Si cette paix-là, ce n'est pas nous-mêmes Congolais qui l'imposons, et que quelqu'un d'autre vient vous dire que non, moi je vais chasser Tshisekedi, moi je vais vous mettre en paix, moi je vais faire ceci pour vous, moi je vais vous construire des hôpitaux. Et nous, qu'est-ce que nous allons faire pour nous-mêmes? Parce que Mbokeza Yabiso, voilà un peu comme nous sommes dit, des questions qui m'inquiètent sur l'AFC. Peut-être que la semaine prochaine, lorsque quelqu'un de l'AFC qui me suit ici me contactera pour que nous puissions causer à cœur ouvert. Donc, nous nous sommes dit, la solution globale, elle portait sur la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Et la marche à suivre devrait être la proclamation de la 4e République, où nous allons donner même une feuille de route, comment nous allons y arriver. Tola qui sa peuple que non, to yebi place to zako kende. Planning wana yako mettre batunyo surtout ensemble, yako créer vraiment une nation congolaise, devrait être initié au cours du premier mandat du président de la République. Et koko kozo abiso 3 ans, et koko zo abiso même les 5 ans, mais pourvu que to yeba place ni nango to zo kende. To kende kiboudi kiboudite, to zo yeba ke non, Nathan Oyo, tout le monde aura à causer et à se mettre d'accord sur la gestion de leur territoire. Nathan Oyo, ezali ko harmoniser ba point de vue Oyo, yabato ba siège qui na katia ba territoire, to harmoniser ba point de vue au niveau des provinces. To dégager point de vue na biso moko. To koye ba ke Nathan Oyo, ezali ta ya ko harmoniser ba point de vue abatu oba siège qui na katia ba province, parce que ils ont déjà maintenant le point de vue de la base, tout harmoniser en gros pour que tout, nous puissions avoir une nouvelle constitution. Voilà les étapes que moi je pensais pour que tu na 4e République. Après que nous ayons fait une nouvelle constitution, pendant ce temps-là, les gens qui sont restés au territoire vont continuer avec un travail très profond. Et le travail, c'est quoi? C'est le travail de l'identification de la population. Ces consuls-là, ces états de lieux-là, devront harmoniser. Place Olobatouba, Simba Mandoki Bazali, on crée une police de proximité, justement pour rassurer les gens. Et c'est par là, lorsque nous aurons ces gens, Batounyo, Swana, Obasima, Mando, Kibakobanda, Koya, qu'on s'identifie, nous pourrions créer une police de proximité dans un accord global dans ces territoires-là, en disant, bon, ok, en attendant, Toko, t'as la 4e République, parce que la semaine prochaine, je vous expliquerai comment nous pourrons créer une armée républicaine. Yangwana, Nazako, Ebisabino, Bato, Boza, Bonete, Bosa, Bonetang, Wangoyo, Oya koratel susu lisolo oyo, comment nous allons terminer makambo ba infiltration dans l'armée, dans la gestion de notre pays, et que tout le monde qui sera là tokoye bakaza congolais bande konangai nazo suka awa. J'espère que vous aviez compris quelque chose. Soko linga ki émission yo tika moi signe moko ya boy. Si vous avez des choses à me reprocher, numéro à téléphone en goyo awa. Bengangai, to se programmer, to discuter nganayo, na live, au Tokobanda Kosala, deux ou trois fois par semaine, à partir du 2 août. Donc voilà que nous sommes arrivés à la fin. En vous remerciant en tout cas une fois de plus, na modèle oyo boza ko s'engager, ba modèle oyo boza ko s'abonner. Vous continuez comme ça, la n'ingwa na batoyo, balanda kanga kaka mbala moko me, baza kolinga ko s'abonnete. Et je vous expliquerai dans la notre prochaine émission, parce que temps ici, pourquoi vous devez vous abonner à notre chaîne. Voilà, mes chers amis, nos réflexions portent sur le présent, tout en tenant compte de notre passé et en nous projetant dans l'avenir pour une vision. Et savoir où est-ce que nous sommes entrés, où est-ce que nous passerons pour
atteindre cette vision-là. Ça, c'est le quintessecte de notre émission. Et je vous remercie encore une fois de plus, vous souhaitant un bon début de semaine et espérant vous revoir dans un prochain numéro. Portez-vous bien, au revoir.